dégâts. Alors, ce jeu à deux, par exemple, si on joue à deux, il se terminera lorsqu'il y aura moins de 4 emplacements vides, hein, c'est-à-dire 3, 2 ou un emplacement vide sur le plateau. Donc, dès qu'il reste 3 emplacements, eh bien, on ne peut plus jouer. Alors, on peut jouer à 3, à 4. Bon, là, je vais faire une démonstration à 3 joueurs. Donc, dans ce jeu, il va falloir poser des pions sur le plateau. Et puis, il va falloir réussir. Ensuite, à la fin, lorsqu'on aura posé tous les pions, eh bien, regardez celui qui a le groupe où il y a le plus de sa couleur, c'est-à-dire le plus grand groupe de pions qui se touchent. Donc, bleu commence par exemple, ensuite c'est vert, ensuite rouge. Donc, hein, il faut avoir beaucoup des groupes avec le plus de pions, donc bleu s'agrandit, rouge aussi. Bleu se met ici, vert ici. Alors bien entendu, on pourrait en poser n'importe où sur le plateau. Hein. Il ne faut pas qu'il touche forcément les autres. Mais bon, s'il touche les autres, ça fait, hein, plus il touche les autres, plus le groupe est important. Donc bleu se met ici, vert ici, rouge ici, bleu ici, vert ici, rouge ici. Bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Alors, vous voyez déjà, rouge va se faire sans doute. Hop, rouge, bleu, vert. Rouge. Donc rouge a déjà un groupe, mais il est restreint puisqu'il ne peut pas s'agrandir. Bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu. Donc vert est bien parti. Vert. Rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge qui semble avoir perdu la partie, bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge. Donc vert a perdu, rouge a perdu la partie, hein. Bleu, vert, rouge, bleu, vert. Donc vert, on va essayer quand même. Rouge. Bleu, vert, rouge, bleu, vert. Non, vert ne peut pas parce que là, bleu, vert, si vert peut et rouge aussi. Voilà, alors on ne recommence pas un tour, ce qui reste, hein, il faudrait que chacun puisse jouer. Donc, eh bien, on va maintenant regarder quel est le joueur qui a réussi à faire le plus grand territoire. Donc, rouge déjà, on sait que ce ne sont pas eux. Alors, bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pions bleus qui se touchent. 1, 2,
2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pions verts. Donc c'est donc bleu qui remporte la partie de Omega. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous fabriquer le jeu, car je ne sais pas, je pense pas que vous les trouverez, ces jeux-là. Je ne sais pas s'ils existent. En fait, ils sont faits pour jouer sur l'ordinateur avec un logiciel. Donc, je ne pense pas que vous les trouviez. Eh bien, écoutez, vous pouvez donc le fabriquer, hein, avec des exemples. Sinon, le demander en commentaire en envoyant votre adresse email. Et puis moi, je peux vous envoyer, eh bien, les patrons des jeux. Voilà, avec OpenOffice Draw, logiciel gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.